Je suis mort sa mère. Ça va? Oh mais ça va qu'il est. Je prends une douche et on se retrouve tout de suite pour le début de la vidéo. Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, qu'on n'a pas tourné de vidéo ensemble. Les lumières, j'espère qu'elles font bien leur travail. Vous le savez, de toute façon, depuis 4 ans qu'on partage des vidéos, je suis pas professionnel du tout. Mais le but, c'est de s'amuser. Aujourd'hui, je vous présente l'appartement que j'ai acheté, le plus grand de France. Ou l'un des plus grands, vous connaissez les bails. Je te jure, il est grand. Hein. Genre ça, en fait, c'est vu comme un T2. Donc là, il manque mon lit et tout. J'ai encore rien mis, hein, ça va arriver. Là, il y a mon ordi pour travailler. Ça, c'est la base. Et... Ah là, je suis heureux, là. Là, je suis heureux, on va faire du sale. Bref, je vous disais, là, il y a un petit lit pour... Bah non, hein. Là, il y aura un lit ici. Là, il y a les fenêtres, je vais vous montrer. C'est un peu du putaclic. Mais vas-y, vous voyez les bails, il faut faire de l'oseille. Je rigole. Je rigole. La vie va mieux. Je suis fatigué. J'ai rien fait, je suis fatigué. Bref, les potos, c'était une blague. Du coup, ma blague, elle pue la merde, mais c'est pas grave, hein, c'est bon, tranquille. On se retrouve à l'entrée de l'appartement. On est à l'entrée de l'appartement. Je m'en ramène pas. Ben voilà, on est arrivé, ça y est. Ben alors, c'est l'entrée de l'appartement. Non, mais vas-y, vas-y, c'est pas là l'entrée de l'appartement. Waouh, les 100 mètres carrés. Arrête, gars, il y a ton petit matelas, il est déjà en place. Vas-y, allez, vas-y. Casse-toi. Allez, suivez-moi pour la visite. Guidez. Là, c'est la vraie entrée, il n'y a plus d'arnaque. Du coup, là, voilà, tu rentres normal. Ici, je vous fais la visite guidée, hein, tranquille. Ça, je kiffe. Par contre, dites-moi en commentaire si vous, vous aurez enlevé le floutage qu'il y a là et laissé tout. Ouais, bref, vous voyez pas trop, je crois, mais dites-moi. Allez, 1, 2. Allez, je fais le queue, mais ça y est. Oh, il y a une araignée. Wesh, ouais, tu fais quoi toi? Tu fais quoi, sale fou? Je suis en vidéo. Vas-y, reviens. Tu fais quoi, wesh? Tu vois pas le gars ici? Hein? Ça va, t'es bien là? Est-ce que tu savais que j'allais faire ma vidéo? Hé, hey, YouTube, hey, j'ai rien à voir dedans, hein. C'est lui, il a fait exprès pour me casser les couilles. T'as un peu de poil aux couilles et tu regardes des twerks. C'est ton... Bon, les poteaux, là il y a une petite armoire d'entrée pour mettre les manteaux et tout, j'adore. Bref, la petite cuisine, c'est déjà un peu le bordel. Par contre, il manque beaucoup de choses, hein. Je préfère vous le dire. C'est 160 mètres carrés, l'appartement, c'est énorme. Ça fait qu'une semaine que je suis ici. Donc, s'il manque plein de trucs, tout ça, c'est normal. Voilà, c'est très compliqué. Bref, là, la cuisine, voilà. Une petite cuisine tranquille. C'est cool, c'est cool. Il manque plein de trucs. Là, ici, je voudrais mettre un piano. Dites-moi si vous trouvez que ça ferait stylé. Moi, j'adore. Comme ça, je me lève le matin et ça me chante des musiques au piano. Je sais pas en faire, hein, mais des musiques automatiques. C'est ça. Cette fenêtre-là, comme ça, là, j'adore. C'est trop bien. Du coup, là, il y a un petit jardin et qu'il y a une petite porte ici. En gros, ce qui est pratique, c'est qu'on peut directement passer là, aller dans dans ta voiture et tout, c'est trop bien. Bref, je vais vous montrer le haut. Ouais, ici, par contre, il faut faire du sport. Regardez, là, les bons, on se rend pas compte, mais genre, c'est grave. Mais je crois que c'est les Mais t'as fait quoi? Il est rentré dans la salle de bain pour que tu me touchais. Il joue à quoi ton pote en fait? C'est pas le pédophile. Mais traite, tu vois, c'est le bâtard et tout. Andy, elle m'a dit, je suis un pédophile. Non, mais ah, il a fait quoi? Il t'a fait. Il y a deux minutes, tu viens de traîner les gens, tu rigoles. En vrai, non, mais sérieux, ça, je pense qu'il faut une blague. Non, mais en vrai, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais sérieux, gros, je dis. Tu te fous de ma gueule? J'arrive à ton appart, je connais pas. Je vais ouvrir la porte et je vais aller pisser. Et en fait, elle était en train de s'habiller, mais du coup, j'ai vu vite fait, mais je savais pas...
Bah elle est partie chier. Bah non, mais je crois qu'elle est... Elle crise. Eh, t'es là. Ah, t'es là, bon. Vas-y, vas-y. Désolé. Elle m'a mis un coup de... C'est une brosse ou je sais pas quoi, gros, madame Mina. Sérieux? Bah ouais. T'es amoureux normalement, non? Non, non, je suis à côté pour elle. Elle me traite de bâtard et tout, j'ai pas fait exprès. Ah, allez, parle pas avec moi là, vas-y. Ah, vas-y, calme-toi. Vas-y. Non mais vous êtes des timbrés, hein. En vrai, vous rigolez, non? Ah ouais, en fait, vous êtes de ma gueule, non? On a rigolé, là. Bon, je suis désolé, j'ai dû faire une petite coupure. Parce que là, c'était fou. En fait, je sais pas. Attends. Je sais pas si c'est une blague. Parce que c'est... Je comprends rien. Bref. Du coup, les potos, on va reprendre. Et t'as un ouf, t'as trouvé des proles vénères comme ça, tu rigolais? Je sais pas, moi. En fait, tu te fous de ma gueule, non? Bah non, j'ai, quoi, j'ai rien plus. Compris, je monte en haut, gros, tu... Mais non, mais... T'as fait quoi? Mais là, les vénères... Mais t'as vu, je suis arrivé hier, je connais pas bien, j'aime beaucoup les toilettes. Mais t'as fait quoi? T'as des toilettes au premier étage, j'en savais. J'étais en train de les chercher, gros, t'as trois pièces. T'as fait quoi? T'as fait quoi? Bah en fait, j'avais envie de pisser depuis tout à l'heure. Je te l'avais dit. Ouais, ouais. Forcément, je cherchais les toilettes. Et quand j'ai ouvert la porte, elle était à poil. Mais on rigole, mais c'est pas bien. Mais en vrai, non, mais en vrai. Mais là, coup, comment vous êtes vénère? Là, comment t'as me traité? Mais toi, j'étais choqué, donc j'ai refermé la porte tout de suite. Et critiquement pas les gens, j'ai pas fait exprès, je suis pas un pédophile. Hey, y a pas dit ça, genre le mec, il se dédouane d'être pédophile. Ah non, mais gros, c'est très bien que t'es pas pédophile. Ça, non, en plus, on rigole, mais... Non, 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 ouais. Non, mais... Ça, c'est ma chambre, on va reprendre tranquille. Et toi, si tu fais chier, je t'envoie la gueule, fais gaffe. Ça, ça tue, encastré dans le mur, du coup, c'est pratique. Voilà, la fenêtre, j'adore. Petit lit au calme, c'est encore le bordel, hein. J'ai rien mis. Et même les habits sont encore là dans les valises. Hein? Ouais. Hey, Cendrillon, tu veux quoi? Je vais la niquer. C'est une porte secrète. Celui qui trouve en commentaire, il y a quoi derrière cette porte? Ou cette porte, elle sert à quoi? Je vous promets que je viens chez lui, je vous offre un cadeau. Vraiment, sans blague. Bon, allez, on continue. C'est bon, vous êtes calmés, les fous? Vas-y. Coup de miroir qui s'est fait prendre pied. Monsieur. Elle m'a fait enculer. Franchement, bien joué. La vérité, attends, moi aussi. Vous êtes des bâtards. Hey, j'étais dans la salle de bain, tu sais, je fais quoi? T'as pas demandé, raconte. En vrai, je monte et dans ma tête, je me dis, en vrai, ils savent, je vais filmer. Du coup, je me suis dit, je sais sûr, ils m'ont fait un truc chelou. Lui, c'est tout son genre d'aller dans ta pièce, t'es en train de te laver, tu vois. Non, mais la vérité, lui, il s'en bat les couilles, t'es à poil, lui, ouvre, oh, désolé. T'as kiffé au final, en personne. Bon, attends, du coup, hey, t'as vu un poil ou pas? Bah, non. Ah, t'es deg? Ouais, bah, on termine ça bien. Attends, de toute façon, les vidéos arrivent très vite, ça va être le bordel. On peut montrer le beau matelas, vous avez vu? Ça, c'est le... Ce mec là, tu fais une vidéo avec lui, il va tout le temps parler en même temps que toi. Du coup, on comprend rien. Vas-y, non, vas-y, allez. Désolé. Les bâtards, allez. Ça, les potos, j'avoue, il n'y a pas trop le budget, mais... toujours des arguments. Oh, bah, Samuel. Il vient de la déchetterie. Ça y est, le but, de toute façon, il va être retourné le lit tous les matins. Dès que quelqu'un dort, on va retourner. C'est la preuve vivante qu'il ne faut pas juger aux apparences. Parce que j'ai très très bien dormi cette nuit. C'est vrai. Vas-y, mettez-vous dedans. Il y a exclusif quand même. Il y a de la place. Oui, il y a de la place. Moi, là, il y a une armoire. Vous voyez, c'est une chambre. Là, c'est une deuxième salle de bain. Pour les invités, toujours pareil. C'est parce que ça va être le bordel, ouais. T'as aimé te laver dedans? Bien sûr. T'as aimé la voir se laver dedans? Ouais, cool. La voir elle se laver dedans. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'officiellement, je suis tout seul habité ici. En fait, j'ai fait ça pour faire plein de vidéos avec plein de personnes, même des abonnés, tout le monde pourra venir. Ça va être une dinguerie, on va trop s'amuser. Du coup, qu'est-ce qu'il y a? C'est très grand, c'est vrai que c'est super grand, mais c'est super bien fait. Du coup, tu as deux chambres, une salle de bain ici, ma chambre là-bas avec une autre salle de bain. Et comme ça, bah, chacun est tranquille, chacun fait ce qu'il veut. Et ce qui est bien, c'est que ça va être le bordel. Du coup, là, il y a une petite toilette, tranquille. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, c'est est-ce que j'ai encore la trace au fait? Alors tu l'as vu la trace? Ouais, t'as une... C'est elle qui t'a niqué. Ouais, elle m'a... C'est elle qui t'a fait ça. La claquette. Je te l'ai dit, elle m'a traité. C'est une petite vengeance personnelle. Bah, fais ce que tu veux. Eh, moi, je suis pas dans vos trucs, moi. On dirait vos avis dans les commentaires. Les avis de quoi? Si t'as bien joué, t'es. Ouais.
tu fais quoi? Non. Non, mais en fait, c'est vraiment trop cool, c'est la veste à ta soeur. Sérieux? C'est pas la tienne? C'est pas la tienne, frérot, c'est la veste à ta soeur. Et... Sérieux? Bah ouais. C'est la veste à ta soeur, j'ai pas de veste, mon trou de balle. Sérieux? Bah ouais. Eh, hey, t'es vraiment un mongol, hein. Tu savais pas que c'était à ta soeur? Oh. Eh, hey, tu arrêtes, elle va te niquer. Elle va me niquer. T'es fou. Elle va voir la vidéo, elle va me vas-y, j'arrête, allez. Bon, la pièce là, de toute façon, je voulais déjà montrer. Ça, c'est le haut, les poteaux. Et ça résonne, ça c'est vraiment casse-couille. J'espère que dans vos oreilles, ça passe bien quand même. Même si ça a beaucoup, beaucoup gueulé. Mais en fait, de base, c'était une présentation que je voulais faire pour vous le montrer. Et après, lancer toutes les vidéos, c'est le bordel. Mais du coup, bah, c'est quand même le bordel. Et en vrai, t'as vraiment regardé? Mais du coup, il a fait exprès de mettre ça? Parce qu'il savait que j'allais venir. Non. Ah ouais? Il regardait vraiment des culs. Bah, bien sûr. Eh, mets-toi sur le yinche. Vas-y, fais taratatata. Ah. Je donne sur Instagram. C'est... Ouais, faudra l'écrire, ouais. Justin Baldinazzo, tiré du bas. Ok, bon, écoutez pas, je vous mets dans la... Je vous mets dans la description. Je vous mets l'Instagram de tout le monde dans la description. Et si vous voulez savoir où, comment on s'est rencontrés, parce que c'est vrai que c'est un nouveau visage sur la chaîne YouTube. Même lui en haut, c'est vrai que lui, ils l'ont vu peut-être. Lui, ils l'ont pas vu beaucoup, je crois, en vrai. Bref, vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo qui suivra. Qui suivra. Pour savoir comment on s'est rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, parce que ça a été tourné avant. Bref, les potos, je vous kiffe et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça va être le bordel, le feu. Vas-y, vas-y. Bachi, bachi. Bachi, bachi. C'est quoi, bachi? Ah ouais, en italien. Ouais. Bachi, bachi.